victoire aux 24 heures du Mans. Une deuxième place au Bol d'Or, la saison 2011 a été fructueuse pour la nouvelle ZX10R Endurance. Pour 2012, l'équipe SRC, le Staffler Racing Competition, se présente aux essais pré-Bol avec de grandes ambitions. Nous avons suivi l'équipe pendant deux jours pour vous montrer comment un team officiel prépare sa course de 24 heures. Pour ses premiers essais, l'équipe n'était pas tout à fait au complet. Pendant le Bol et le Mans, le team compte 22 membres, en majorité des bénévoles. Pour les essais, il y avait Aymeric Jonchière, Taco, Bernard Lecourt, Benoît Agoyer, Thomas Loiseau, Isabelle Staffler, Pascal Bost, Grégory Leblanc. Christian Bourgeois, Julien Acosta, Gilles Staffler, Olivier Four et Denis Perrin. La moto étant déjà utilisée depuis l'année dernière, l'équipe dispose d'une base de réglage solide. Il suffit juste de peaufiner. Bon, la moto est quand même assez réglée. Vu qu'on a déjà roulé les dernières au Bol avec la même moto, on a déjà les bases, donc on peaufine ces 2-3 clics à gauche, à droite, histoire d'améliorer. Mais on bosse surtout sur les pneus. Les pneus, c'est LE programme le plus important pendant ces deux jours de test. Grip, usure, performance globale, tout est passé en revue par chaque pilote. Et à la fin de chaque roulage, il y a débriefing où le pilote donne son avis. Et Pirelli a apporté beaucoup d'enveloppes à tester. Julien Acosta, pilote sur la 11, nous explique pourquoi. On essaye de trouver le pneu qui va correspondre à la température de piste, ça c'est important. Les Pirelli sont sensibles à la différence de température. Et on va dire que sur une plage de 10 à 40 degrés de température de piste, on peut avoir jusqu'à 4 pneus par fourchette. Mais le comportement des pneus est également différent tout au long du relais. Pendant le relais, on rencontre deux phases d'usure différentes. C'est-à-dire qu'en général, les 15 premiers tours, c'est parfait. Après, bon, il y a un petit peu moins de performance dû à l'usure et à l'échauffement du pneu. Et encore un petit step moins performant sur, on va dire, sur les 6-7 derniers tours. Plus généralement, il faut aussi trouver le bon compromis entre performance et facilité de pilotage, ce qui est essentiel pour une course aussi longue. Il faut garder à l'esprit que c'est 24 heures et c'est un peu usant, on va dire, pour le physique. Et le fait qu'elle soit confortable, facile à piloter sur le circuit qui est exigeant, hein, ici Manicourt c'est exigeant, c'est vraiment un plus pour tout l'équipage d'être au maximum de sa forme tout en pilotant vite. Enfin, l'équipe est aussi arrivée avec de nouveaux réservoirs pour améliorer l'autonomie. L'année dernière, la Kawa était déjà la moto la plus sobre. Les réservoirs de carburant, où on avait des petits soucis l'année dernière, malgré le fait qu'on était ceux qui consommaient le moins. Donc ils ont pas mal bossé à l'atelier là-dessus cet hiver et on avait des choses à valider là. Et c'est validé, donc c'est plus que très intéressant. Et pour arriver à ce résultat, le réservoir est entièrement conçu chez SRC. Les réservoirs, c'est un travail, on ne peut même pas partir d'un réservoir d'origine. On refait une construction complète du réservoir pour pouvoir rentrer 24 litres dedans. Le bras oscillant, issu de la série, est aussi transformé par l'équipe pour répondre aux besoins de l'endurance. Alors le bras oscillant, c'est un bras oscillant de série que je reçois du Japon, mais les morceaux ne sont pas soudés. Ah d'accord. Le bras oscillant n'est pas assemblé, et comme ça, moi, ça me permet de pouvoir faire mes bras oscillants d'endurance qui sont beaucoup plus larges qu'un bras oscillant d'origine. Pour Aymeric Jonchière, quatrième pilote transfuge de chez National Moto, il s'agit avant tout
d'apprivoiser cette nouvelle machine. Là, c'est simple. Déjà, pour moi, c'est de découvrir la moto, parce que pour moi, c'est une nouvelle équipe, c'est tout un nouvel ensemble. Je suis plutôt à l'aise dessus, mais après, il y a encore certaines petites choses où il faut que je travaille, parce qu'il y a tout ce qui est anti-patinage, anti-wheeling, et même la partie cycle. Enfin, la moto en elle-même, vraiment, est différente de ce que j'ai pu connaître par rapport à la Honda où j'étais avant. Une électronique qui a nécessité un gros travail de développement l'année dernière, mais qui est aujourd'hui bien maîtrisée. L'antipatinage, non, on l'a réglé déjà l'année dernière en début d'année, donc ça a été un gros boulot. On a fait quelques séances d'essai avant de trouver le bon compromis, mais on est assez confiant parce que en pneu de course, on est aussi rapide que l'année dernière en pneu qualif. Donc c'est très encourageant, la moto est vraiment saine et facile à piloter. Donc voilà, on travaille vraiment sur les pneus, trouver un pneu qui arrive à tenir 25 tours et constant et performant pour pouvoir aller battre la Suzuki, parce que de toute façon, ils vont être là et ça va être nos principaux concurrents. Bye.